Bonsoir à tous, bienvenue et bienvenue donc dans cette septième masterclass, la deuxième de cette semaine, puisque cette semaine, nous aurons le plaisir de nous retrouver donc tous les soirs à 18h, puisque c'est dans le cadre de notre convention nationale dématérialisée de notre association. Donc rendez-vous est pris donc tous les jours à 18h avec un intervenant chaque soir sur les thèmes de l'action, la communication, l'international, l'innovation et le développement personnel. Je me présente, je m'appelle Elodie, je suis en charge des réseaux au sein de la Jeune Chambre économique française. Donc pour ceux qui nous découvrent ce soir, déjà, bienvenue, ravie d'être que vous soyez parmi nous ce soir. Alors, qui on est à la Jeune Chambre économique française rapidement? Nous sommes une association de jeunes citoyens actifs, une association reconnue d'utilité publique, qui se définit comme un incubateur de leaders citoyens qui œuvre en France dans plus de 130 villes et qui agit pour l'intérêt général. L'action est notre ADN, on se forme pour agir et en agissant. Voilà pour une très très rapide présentation de ce qu'est la Jeune Chambre économique française pour celles et ceux qui nous découvrent ce soir. Alors, le thème de ce soir, de ce qui va nous intéresser dans l'heure qui vient, de cette masterclass, c'est comment mieux vendre ou mieux se vendre. Alors, avant tout, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir par rapport à ce que va nous dire notre intervenante, parce que Emilien et Servane, qui sont avec moi, notent évidemment tous vos commentaires et nous pourrons évidemment y répondre en direct. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des petits commentaires juste en dessous. C'est avec plaisir qu'on va interagir avec vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est donc la communication, comment mieux se vendre ou mieux vendre son produit. Et donc, évidemment, communication, vendre, l'après-crise, on ne sait pas forcément par où commencer, quel conseil. C'est pour ça que ce soir, donc, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés donc Anne-Emmanuelle Rebordao, qui est experte en communication auprès des grandes entreprises depuis plus de 15 ans. Elle est fondatrice aussi d'une agence de conseil en communication et marketing, et elle est également conférencière Google. Bonsoir Anne-Emmanuelle. Bonsoir Elodie, merci de me donner notre invitation. Pardon ? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un grand honneur. Je suis vraiment ravie d'être là. Et de pouvoir répondre à toutes les questions des internautes. Super. Alors, je disais, donc, le thème, donc, quand on a échangé toutes les deux, le thème, c'était la communication. On a restreint le champ à comment mieux vendre et comment mieux se vendre. Mais finalement, je dirais que la communication, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est hyper large. Et par où on commence, enfin, quand on veut voilà, être un peu sur ces sujets-là? D'accord. Bah, première chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous les Français sont connectés. Aujourd'hui, il y a 65 millions d'habitants en France, 58 millions ont une connexion Internet et on a 39 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les tranches d'âge sont sur les réseaux sociaux et c'est là principalement qu'on va pouvoir les trouver. Après, le parcours a énormément évolué. Mais c'est, il faut vraiment avoir en considération que, et encore plus même avec le Covid, parce que je parlais des 39 millions, mais ça c'est les chiffres de 39 millions sur les réseaux sociaux, mais ça c'est les chiffres de janvier 2020. Donc le Covid est passé par là, et on a encore plus de personnes qui sont sur les réseaux. Et ça, c'est toute tranche d'âge confondue. Il y a des premières études qui sont en train de sortir. Et il va y avoir encore pas mal de changements, des usages suite à cette crise. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, le parcours de communication, le parcours d'achat, aujourd'hui, a beaucoup changé. Sur la slide suivante, on a des parcours d'achat qui deviennent de plus en plus complexes. Hop, je veux dire, voilà. On avait un parcours traditionnel. Alors, si je remonte il y a quelques années, admettons, je voulais acheter, mon sèche-cheveux était en panne. Je voulais aller acheter un sèche-cheveux. Qu'est-ce que je faisais? Tiens, j'avais vu, j'ai reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres de mon revendeur ou du supermarché du coin. Donc, j'allais voir directement.
Je me rendais parce que c'était le seul endroit que je connaissais potentiellement, ou d'instinct, par notoriété. Et puis, voilà, je regardais ce qu'il y avait sur les rayons. Et derrière, j'achetais mon produit. Donc ça, c'était un peu la partie facile. Les principaux canaux de communication, si on remonte à les années 90, on était sur du print, de la télé, de la radio, donc de l'affichage ou de campagne de prospection téléphonique. Aujourd'hui, si je reprends mon exemple de sèche-cheveux, le parcours est un peu différent. C'est-à-dire que je suis dans ma salle de bain, mince, mon sèche-cheveux tombe en panne, qu'est-ce que je fais ? J'ai mon téléphone à côté de moi, je regarde sèche-cheveux, d'un seul coup, j'ai une liste de résultats qui m'est générée par Google, hein, sur le moteur de recherche. J'ai tout un comparatif de produits. Je regarde ceux qui sont les mieux notés. Je commence à regarder les différentes caractéristiques produits. Je peux même voir un tutoriel sur comment se faire le plus beau brushing, le plus lisse sur YouTube avec le nouveau Babyliss à la mode, admettons. Et là, ensuite, je vais aller dans mon... Donc, j'ai fait mon comparatif. Je vais aller dans mon acte d'achat. Alors, soit je décide d'acheter sur Internet, soit je décide de me rendre dans un magasin. Je peux décider aussi de faire du click and collect. Donc, autant de choses, c'est autant de points de contact qui font qu'il y a autant d'interactions possibles pour une marque, pour une entreprise, d'être visible, de se donner de la visibilité, de communiquer. Donc, c'est d'être là, au bon endroit, au bon moment, pour le client. Donc, effectivement, il y a des campagnes de notoriété qui existeront toujours, mais voilà, ce parcours, il est de plus en plus structuré, plus complexe. Et on le voit bien au niveau du visuel. Le visuel de gauche comparé au visuel de droite, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est hyper, enfin, c'est multicanal finalement. C'est le multicanal et en même temps, c'est l'utilisateur final qui est au centre. Donc c'est cette omnicanalité qu'on va vouloir avoir. C'est je suis un acheteur potentiel. Je veux par n'importe quel canal de communication pouvoir rentrer en interaction avec la marque, soit par son site internet, par sa page Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et je voulais juste vous partager, donc ça c'est un exemple, mais c'est aussi, j'aime beaucoup, c'est le panorama des réseaux sociaux qui est partagé tous les ans par Frédéric Cavazza, c'est un blogueur, je vais peut-être vous le montrer, pour vous présenter un peu la diversité, panorama, la diversité des canaux aujourd'hui. En canaux en fait, qu'on peut aussi avoir sur la partie réseaux sociaux. Oui. Hop. Celui de 2020. Hop. Qu'est-ce qu'il nous met ? Donc, du coup, en fait, là, c'est pour le transposer justement au niveau de la partie des réseaux sociaux et de là, on commence à avoir l'influence en tant qu'acheteur. Enfin, vraiment, voilà. Nous, en tant qu'acheteur, nous, en tant qu'entreprise, où par quel canal on va passer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport au parcours de nos clients. Quel canal on va utiliser qui sera le plus pertinent. Alors forcément, au centre, il y a toujours ces grands acteurs qui sont Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Et après, il y a tout un écosystème, mais ça s'enrichit continuellement. C'est-à-dire que TikTok, il y a 2 ans, personne ne connaissait. Snapchat était super à la mode. Maintenant, bon, c'est quand même beaucoup plus axé messaging. Et ça dépend de quelle cible on va vouloir aller toucher. Donc, c'est un des points sur lesquels on peut revenir. C'est que, sur la slide suivante, c'est qu'en gros, par où commencer quand on commence à parler communication,
C'est quel objectif on a, quel objectif on va se mettre en place. Est-ce que je veux faire de la notoriété? Est-ce que je veux faire de la conversion? Et quelle audience ensuite? Donc c'est le who, qui je vais aller chercher? Quelle audience je souhaite atteindre? Parce que derrière, j'ai des messages clés à faire passer et je ne vais pas parler de la même manière à une mère de famille, par exemple, qu'à une ado ou à un jeune actif. Donc ça, c'est pareil. Il faut que j'adapte mon message, mon contenu et par quel canal je vais communiquer, soit du réseau social, soit du YouTube, LinkedIn, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc effectivement le canal, enfin tout ça là, tous ces différents éléments, ça c'est hyper hyper important. Est-ce que là on l'a vu par exemple pour un produit, est-ce que on peut transposer ça à soi-même, c'est-à-dire que on a aussi nous aussi d'une certaine façon une image de marque personnelle, est-ce que ça aussi ça se transpose? Quand il s'agit de communication, oui, parce que tout, ça sera toujours pareil. Quel objectif quand je prends la parole ou quand je veux postuler à une candidature, admettons, quel est l'objectif que je souhaite atteindre? Donc, comment je vais derrière construire par rapport à cet objectif, qui je vais cibler? Si je reviens sur « je cherche un nouvel emploi », sur quel type de profil je vais attaquer pour je sais pas postuler un poste de responsable marketing par exemple. Je cherche peut-être une certaine typologie d'entreprise, un certain secteur d'activité. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en ligne de compte. Et puis derrière, quel est le message que je vais vouloir leur faire passer là où je vais être le plus impactant? Alors forcément, on n'a pas toujours la recette magique du premier coup. Donc, c'est bien de faire cette démarche de ce qu'on appelle du test and learn. Donc, on teste, on apprend et puis on itère, on enrichit, on corrige pour ensuite être le plus percutant possible. Et du coup, c'est ce que, quand on préparait cette masterclass, tu m'avais partagé justement... en lien avec ton autre activité qui est le CrossFit, une anecdote qui finalement est assez lourde de conséquences. Je te laisse la repartager. Oui, en fait, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en ligne de compte, prendre en considération, c'est que la barrière est de plus en plus ténue entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc en plus, même pendant le confinement, quand on est professionnel, on se retrouve avec les enfants sous les yeux pendant les visioconférences. Mais en gros, il y a aussi cette la première chose qu'on va faire quand on va aller se renseigner sur une personne, on va la googler, on va aller voir ses réseaux sociaux, où la personne, elle va prendre la parole, ou elle va avoir fait des choses ou dit des choses sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir un impact sur sa vie, mais sur la vie de son entreprise, qu'on soit un employé ou un dirigeant. Ça, c'est très important de prendre en compte. Et c'est vrai que l'anecdote, donc effectivement, je pratique activement le CrossFit. Et la semaine dernière, il y a le fondateur de la méthode CrossFit, Greg Glassman, qui a fait un tweet suite à une publication sur une revue scientifique, un tweet raciste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le tollé, forcément, et c'est tout à fait compréhensible. Ça a ouvert en fait la boîte de Pandore, parce que d'un seul coup, toutes les langues se sont déliées. Alors Reebok a décidé qui était le partenaire officiel, a décidé d'arrêter son partenariat avec CrossFit. Il y a de nombreuses salles qui sont affiliées, qui ont décidé de quitter l'affiliation, donc de ne plus être liées à cette marque et aux valeurs que porte cette marque, parce que ce sont finalement des valeurs, c'est-à-dire que ce sont des valeurs racistes. Donc un simple tweet, une simple interaction sur un réseau social peut être lourde de conséquences. Effectivement. Alors, avant que je pose ma question suivante, je me permets juste tous ceux qui sont là en live avec nous, si vous avez des questions précises, hein, parce qu'évidemment la communication c'est hyper large, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, voilà, parce qu'on va essayer de
de brosser tous les pans de la communication avec Emmanuel, mais après, voilà, il y a peut-être un sujet qui vous tient plus à cœur et il n'y a pas de souci, on peut aussi, on est là aussi pour justement pouvoir échanger et être en interaction avec vous, c'est là tout l'intérêt. Donc, tu le disais tout à l'heure par rapport aux chiffres que t'as partagé, c'est des chiffres finalement avant Covid. Le Covid, enfin la crise sanitaire qu'on a vécue a rebalayé beaucoup de cartes. Et finalement, c'était un peu, il y avait différents canaux. Et finalement, pendant 3 mois, on n'a eu qu'un seul canal de communication. C'était les nouvelles qu'on pouvait avoir à la télé ou des choses comme ça. Du coup, forcément, ça, à la fois, il y a eu des communications qui n'ont pas forcément été comprises et il y en a d'autres qui sont arrivées. Qu'est-ce que ça dit en termes d'opportunités, justement, là, sur l'après, finalement, par rapport à la partie communication? Pour les entreprises, tu veux dire? C'est pour ça, les entreprises ou pour toi-même? C'est pas souvent de sortir Tinder. La partie communication pour les entreprises, après, c'est en gros, il y a beaucoup de changements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de campagnes qui se sont arrêtées pendant le Covid, puisque plus à propos, plus en adéquation avec l'actualité. Et puis, c'était peut-être pas le moment de communiquer, sur encore plus si on a ces magasins fermés. Enfin, je pense, par exemple, au monde de l'habillement, ça, c'était aussi un gros impact. Ou tout ce qui était industrie automobile. Comment on peut... on ne sait même pas comment ça va se passer demain. Est-ce que les ventes de voitures vont reprendre? Sachant que pendant un certain temps, toutes les concessions étaient fermées. Si on ne peut plus trop se déplacer, il n'y a pas trop d'intérêt d'investir dans une voiture. C'est peut-être plus devenu l'achat prioritaire. Donc, comment les marques d'auto vont pouvoir se réinventer et se recréer cette utilité? Je pense qu'il y a un gros enjeu autour pour les marques d'utilité, communiquer l'utilité de ce qu'ils apportent vraiment au quotidien. Donc, alors quand on est sur des produits essentiels, c'est plus simple. Et quand on est après sur des produits plus accessoires, comment on accompagne il y avait par exemple une campagne de Décathlon pendant le Covid où on voyait les gens qui dans leur salon en train de faire de la natation, donc en gros c'était assez rigolo. Et ils donnaient à disposition tous les programmes d'entraînement sur l'application. Donc, cette utilité, donner du service, créer une application mobile, forcément, ils l'avaient déjà, mais sur le coup, ça devient eux-mêmes un prestataire, un coach sportif. Ça oblige finalement les marques un peu, pas à se réinventer, mais à être, comme tu le disais, plus proche de l'utilité, parce que finalement, on devient un peu plus... On regarde plus précisément aussi, j'ai pu m'en passer pendant les 3 derniers mois. Finalement, est-ce que j'ai encore besoin de l'avoir? Il y a cette notion-là aussi qui va arriver peut-être. Oui, peut-être un retour à l'essentiel. Après, c'est très difficile d'imaginer comment sera ce monde d'après, parce qu'on est un peu, à la fois une nouvelle ruée vers les grands magasins, on va dire, mais comme je vois Mathieu qui dit que les ventes de voitures ont bien repris. Bon, après, apparemment, les prix de vente des voitures sont aussi très intéressants pour essayer de réactiver la pompe, en fait. Hein. Alors, on va revenir là sur la notion de marque, parce qu'on a Philippe aussi qui nous pose une question sur comment on communique sur l'utilité de sa marque pour créer quelque chose de positif de façon générale, pas lié à un produit spécifiquement, mais parce que bon, voilà, il y a plusieurs personnes qui peuvent nous écouter, donc chacun a son produit à vendre, entre guillemets. Mais comment on tourne ça pour qu'effectivement le côté utile soit plutôt mis en avant? Alors ça, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui, en fait, on est vraiment, ce marketing, cette communication, elle a pas mal évolué, elle a beaucoup évolué ces derniers temps.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, on était sur un marketing de produits. On mettait vraiment en avant que son produit, ses spécificités techniques. Là, après, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a été plus sur ce côté collaboratif qui a émergé. Et puis, maintenant, bah, on est ultra informé. Et puis, le consommateur a envie d'être reconnu dans les valeurs d'une marque, de se reconnaître dans les valeurs d'une marque. Et donc, il peut faire le choix de ne plus consommer une marque parce que ce n'est plus en adéquation avec ses valeurs. Et donc, donc, déjà, de porter des valeurs. Et puis, ensuite, l'utilité, c'est comment, au quotidien, je, entreprise, simplifie votre vie. Donc, ça, c'est ce positionnement-là. Ou comment je suis solidaire. Cette solidarité aussi, elle va ressortir. Donc comment on veut être... Une marque doit être aussi présente à la fois auprès de ses partenaires, mais aussi de ses clients. Et alors, oui. Du coup, on a fait déjà tout à l'heure le parallèle. Alors, finalement, ça va peut-être répondre de façon, on va dire, complémentaire à Irshad et sa fameuse question de tout à l'heure par rapport à Tinder. Mais finalement, comment aussi on se vend aussi, par exemple je pense le réseau LinkedIn, c'est un réseau qu'on utilise tous pour la partie professionnelle. C'est, là, pour le coup, c'est plus compliqué, en fait, de vendre des... Enfin, comme tu disais, la notion d'utilité, la notion de solidarité. Enfin, solidarité, quand on est engagé dans une association, par exemple, là, c'est facile, on peut le montrer par son engagement citoyen. Mais l'utilité, c'est réfléchir dans les posts qu'on va partager aussi. Il faut que ça soit utile au plus grand nombre. En tant que candidat, en tant que professionnel, on va sortir aussi en dehors d'une sphère promotionnelle, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que si sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne sais que communiquer en faisant ma propre promotion et que je suis auto-centrée, je vais intéresser personne. Donc c'est comment je marque vraiment quoi en fait finalement. Comment ? C'est le même principe que la marque. Oui, c'est à la fois et engager la communauté et interagir. L'interaction va être importante et c'est là où on va faire la différence. Et puis alors, tout à l'heure aussi, parce que voilà, évidemment, on prépare aussi ces masterclass, vous vous en doutez bien aussi en amont, et on l'évoquait aussi tout à l'heure, du coup, là, ce qu'on a vécu par rapport au Covid, c'est aussi un modèle finalement, on est en train de construire un modèle un peu hybride en termes de communication, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, alors c'est beaucoup, je le vois sur de l'événementiel, sur le fait que, ou même sur l'éducation, parce que là c'est pareil, j'enseigne et on est en train de passer sur des modèles hybrides dans certaines écoles où finalement on se rend compte qu'on n'a pas forcément toujours besoin de se retrouver en présentiel. Par contre, ce côté présentiel il va être important à certains moments parce qu'on ne va pas créer le même type d'interaction, d'échange que en visio. Et donc, d'avoir ce côté hybride, il y a ce côté hybride aussi sur certains événements. Alors, on n'a fait que du digitalisé, mais moi, je vois bien, ce que je disais, c'est que j'avais participé à un salon start-up en Slovénie, en mai. Donc, c'était purement digital, pour le coup. Donc, avec des rendez-vous en tête-à-tête, avec donc des prises de rendez-vous, avec des investisseurs pour pitcher, etc. Et tout ça online. Je trouve qu'il y a un côté très intéressant de garder aussi ce côté hybride. On pourra très bien se rendre sur ce salon en physique peut-être plus tard, mais garder ce côté hybride, ça donne aussi plus d'agilité, plus de réactivité. On n'a pas toujours le temps de se déplacer 3 jours sur place pour participer à un séminaire. C'est un gros investissement en temps et en argent. Il faut qu'il y ait un bon retour sur investissement. Finalement, ça va un peu dans ce que nous a écrit Camille, qui nous a indiqué qu'effectivement, se vendre ou mieux se vendre, c'est une forme d'agilité permanente. Et par contre, elle te demandait, quand une marque choisit de changer totalement sa communication,
quels risques et quelles opportunités? Oui, ça peut être, enfin, là, le Covid, par exemple, il y a des entrepreneurs qui peuvent se poser cette question-là, de se dire qu'est-ce que je fais finalement? Changer totalement sa communication, ça dépend de comment elle l'imagine. Est-ce que c'est une refonte totale de son image de marque? Est-ce que c'est changer sa proposition de valeur, les valeurs que l'entreprise porte? Donc finalement, dans la réponse que tu donnes, c'est quand même un peu risqué, si je comprends bien. Non, mais je pense que c'est toujours pour le mieux si on doit changer. Mmh. Je ne sais pas pourquoi on irait pour le pire. C'est qu'est-ce qui me ferait changer c'est que je tire les conséquences que ma stratégie de communication n'est pas bonne. Mmh. Et qu'elle n'est pas... je ne sais pas, il y a un scandale. Il faut que je change... que j'investisse pour être mieux vue, pour faire plus de démarches RSE, par exemple, mieux communiquer sur mes valeurs, si mes produits sont... Quelle est la provenance de mes produits, par exemple. Donc ça, ce côté de transparence, c'est très recherché aussi. Donc moi, généralement, si je vais changer totalement la stratégie de communication, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ouais, d'accord. Tu l'as mieux formulé que moi, effectivement. Donc, je vais continuer puisque nous avons des questions. Alors, on va continuer sur les questions. Donc, on a toujours Irshad qui est avec nous, qui fait du lien avec l'intervenant qu'on avait hier soir. Et pareil, on en a aussi discuté toutes les deux aussi. L'utilité va-t-elle l'emporter plus que le sens si cher aux nouvelles générations? Alors, effectivement, hier soir, pour remettre ceux qui n'étaient pas là, hein, voilà, qui n'ont pas eu le temps de regarder le replay. On va vous faire un condensé d'hier soir, mais entre autres, donc Julien Estier, qui était notre intervenant, et on en a parlé aussi un petit peu en amont de cette masterclass, disait qu'effectivement, la notion de la nouvelle génération apporte beaucoup d'importance au sens, à l'équité, pour que justement ils trouvent leur place parce que ils ont eu des parents qui ont été sur certains moments qui ont sacrifié un peu certains moments de leur vie importants. Donc ça, eux, pour eux, c'est hyper important. Et justement, quel était ton, enfin, peux-tu nous partager ton regard Anne-Emmanuel là-dessus, parce que justement on l'a partagé ensemble, mais c'est important aussi que ce soit plus au plus grand nombre, on va dire, notamment sur la notion d'utilité. Est-ce que c'est ça qui va l'emporter? Après, je pense que les deux vont ensemble, soit l'utilité d'entreprise. Enfin, c'est comment, en fait, on va mieux communiquer dessus. Alors, je sais pas si c'est un qui le théorise bien, c'est le pourquoi, en fait. Pourquoi notre entreprise existe? Pourquoi on se lève tous les matins? Pourquoi je fais des choses différemment de mon concurrent? Et qu'est-ce qui va faire que je vais réussir ou pas? C'est Simon Sinek qui le théorise avec la théorie des Golden Circles, donc les cercles d'or. Et en gros, c'est cette utilité-là aussi, le pourquoi de mon entreprise, pourquoi je fais tout ça, qu'est-ce qui me différencie, qu'est-ce qui va faire que les clients vont adopter mes valeurs et celles que je porte. Donc, Il y a cette utilité de l'entreprise. Je suis Nike. Ma mission d'entreprise, c'est de faire que les gens fassent du sport. J'ai plus la proposition de valeur en tête, mais et comment pour faire en sorte que les gens. Ma mission, c'est ça en tant qu'entreprise Nike. Qu'est-ce que je vais faire dans mes actions? Alors, je suis un équipementier sportif, mais maintenant quel autre objectif je vais mettre en place pour aller faire en sorte que les petites filles fassent plus de sport, casser les codes entre les athlètes féminins et masculins, etc. Donc ça, c'est toute l'utilité aussi que portent les marques, et donc c'est ce qui donne aussi du sens, ce qui le rend tangible. Aujourd'hui, une des pages les plus consultées sur les sites internet, c'est la page « Qui sommes-nous ?». Donc les valeurs de l'entreprise, l'équipe, j'ai envie de voir à qui je vais acheter, qu'est-ce qui va me faire choisir une entreprise plutôt qu'une autre, si les deux produits sont équivalents. Il y a le prix, mais il n'y a pas que ça.
Il y a les valeurs que porte l'entreprise et derrière le service qui est apporté. Il y a une autre question qui me vient, qui fait un peu un mix de la question de Camille de tout à l'heure et de ce que tu as présenté au tout début, quand on voyait un peu la map monde, enfin c'est pas vraiment une map monde, mais tous les canaux de communication qu'il existait. Et donc Camille reposait la question, enfin pour ceux qui nous rejoignent par exemple là maintenant, elle se posait la question quand on veut changer totalement de marque. Là, la question, ce serait plutôt de se dire aujourd'hui par exemple une entreprise peut être multicanal. Peut être par exemple sur Twitter, sur Pinterest, sur LinkedIn, sur Facebook, voilà, et on a beaucoup de canaux de communication, et se dire finalement, je vais peut-être en garder que un ou deux. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être une stratégie de changement, ça pourrait être quelque chose de gagnant en fait, se dire je me concentre uniquement sur un canal, mais alors la question après derrière c'est quel est le bon, enfin, faut savoir prendre le bon canal par rapport à ses clients. Enfin, ça pourrait être une stratégie. Ouais, ça va dépendre du moment aussi, parce qu'il y a tous ces moments. Si je me focalise que sur un seul canal, alors après, forcément, ça va dépendre des ressources que j'ai. C'est sûr que quand je suis une grande entreprise et que j'ai des agences qui sont derrière moi et que j'ai des budgets, bah, forcément, je peux être beaucoup plus présente sur tous les canaux. Si je suis une petite entreprise locale ou régionale et que j'ai pas non plus un budget extensible, il va falloir que je fasse des choix. Donc des choix en termes de canal de communication et qu'est-ce que ça va me rapporter en fait ? Comment je vais le temporiser ? Forcément, on n'a pas tous les moyens de se payer. Un espace pub, un espace télé ou une pub radio, etc. Donc ça, je pense que c'est des choix à faire et c'est des choix de je me focalise sur ce canal parce que c'est celui que j'ai identifié comme étant le plus héroïste et où va se trouver ma cible aussi. Je vais avoir potentiellement plus de chances de toucher ma cible. Si je prends les réseaux sociaux, bah forcément, il vaut mieux que j'ai une page Facebook et Instagram plutôt que d'aller me lancer sur Snapchat. Si j'ai déjà pas les fondamentaux. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, en termes de création de contenu, c'est vrai que ça peut être aussi, on peut demander un certain volume. Donc, après, ça aussi, c'est à temporiser. Est-ce que ça se planifie? Et peut-être qu'il vaut mieux que au lieu de poster, 10 contenus par semaine, de mauvaise qualité, que je me focalise sur peut-être que 3 contenus, mais qui sont mieux travaillés. Oui, la qualité plutôt que la quantité. C'est ça. Principe, quoi. Alors, il y a qui a posé une question, mais en fait, dans la question, dans le point 3 que nous, on voulait aborder toutes les deux, c'était la partie networking, la partie meet-up, en fait, des réseaux. Parce que ça crée des connexions, ça crée évidemment des échanges. Et justement, comment aujourd'hui on peut saisir cette opportunité-là pour notre entreprise, pour nous aussi. Quels sont toi tes trucs et astuces par rapport à ça? Pour créer plus d'événements, c'est ça, pardon. La partie plutôt networking, la partie échange, connexion, réseau. Sur comment ça peut être aussi une opportunité pour pouvoir mieux vendre ou mieux se vendre aussi. Alors là, c'est vraiment, on se parle d'une sphère. Si je suis membre de la Jeune Chambre économique, comment je fais pour plus développer ce réseau? C'est vrai qu'on a quand même... le digital, c'est une vraie chance. Regarde, on est déjà dans ce masterclass et... On parle à des milliers de gens là où ils vont voir notre masterclass directement. Donc il y a un vrai engouement en fait sur ce type de format parce que ça permet justement de créer cette connexion qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Ce que je veux dire, c'est que ça me rapproche d'une personne. Là, j'ai vu, il y avait la réunion. Je n'aurais pas forcément eu ce contact avec une personne de la réunion là, dans le film d'actu de live, de commentaires live.
Donc ça, c'est une, autant d'occasions. Je suis aussi dans d'autres groupes professionnels. On se retrouve aussi, on fait des mélanges intergroupes. On se retrouve chaque semaine, donc nous, dans notre groupe qu'on anime. Mais c'est l'occasion avec de se retrouver. On dit, bah, tiens, et si on allait rencontrer bah, ceux de Paris? Et s'il y a une synergie qui se crée entre chaque, on peut faire du business ensemble, on peut créer des partenariats. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'avais pas vu la question de Ludivine et elle l'a reposée et c'est très bien. Du coup, on va pouvoir la prendre maintenant. Quelles astuces ou quels outils pour mieux se vendre, surtout quand on déploie une grande communication et que le public cible n'est pas au rendez-vous? Alors, pour mieux se vendre ou pour mieux vendre son entreprise? Non, pour moi, c'est moi qui ai mal lu. Pour mieux, c'est écrit pour mieux se vendre. Alors, on peut répondre des deux côtés à Emmanuel, on va dire ça comme ça. Ouais, après, alors, surtout quand on déploie une grande communication, mais que le public cible n'est pas au rendez-vous. Donc, ça va être intéressant, c'est déjà de. Alors, c'est bien de se fixer. Alors, on a nos personas, donc notre public cible qu'on a identifié. On a on s'est fixé des KPI, des objectifs. Après, qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui sur, je sais pas, je fais une communication sur les réseaux sociaux, admettons. Alors ça, c'est facile parce que je peux le traquer d'un début d'un bout à l'autre. Et je vois que les personnes, donc, j'ai mis de l'argent en communication, ils arrivent sur mon site et ils s'en vont. Donc ça, c'est un des cas assez récurrents que je peux rencontrer. Donc il faut analyser les raisons pour lesquelles ils s'en vont sur le site. Peut-être que quand ils arrivent sur la page, par rapport à la pub qu'ils ont vue, la page d'atterrissage n'a rien à voir. Ouais. Le message n'est pas assez clair. Et donc ça, il faut retravailler. Donc c'est un des points où je vends un article en ligne. Et puis, je découvre dans mon panier que finalement, lorsque je valide mon panier, j'ai 25 euros de frais de livraison. C'est un exemple un peu grossier, mais c'est autant de raisons pour lesquelles je vais m'en aller. Donc ça, c'est important. C'est de qu'on soit une entreprise installée en e-commerce ou qu'on soit une start-up, quand on lance un nouveau produit, c'est de à la fois être sûr que... on a un bon taux de conversion, en fait, que les gens... Et ça, il faut être capable de le traquer. Donc, ça, c'est de l'analytique. Et il faut paramétrer ses objectifs. C'est encore un autre... C'est un grand sujet. Et c'est pareil pour un nouveau produit qui se lance. Comment je fais pour être sûr que j'ai une adéquation entre mon produit que je propose et le marché? Est-ce que finalement il y a une vraie appétence pour le marché pour ce produit, ou alors je suis carrément à côté de ma cible? C'est le cas, je fais un site, j'avais un exemple comme ça d'une collègue qui avait lancé un site pour aider les personnes, les seniors, dans tout ce qui était démarches, recherches pour les maisons de retraite, etc. Elle s'est rendue compte, après, avec son analyse de données, qu'elle faisait de la communication vers ces personnes, donc les seniors, sauf que ce n'était pas eux la cible principale, c'était les aidants, donc c'était les enfants. Donc, elle a dû retravailler son message. Donc, finalement, là, le conseil qu'on pourrait donner à Ludivine, ce serait de réfléchir au message. Est-ce que le message est bien en adéquation avec sa cible? Déjà, et puis ensuite, comment elle parlait d'outils, justement des outils comme Google Analytics vont aussi l'aider. Si c'est redirigé vers un site internet, elle va pouvoir mieux analyser en se disant, tiens, j'ai fait cette campagne Facebook ou cette campagne mailing ou autre, et j'ai eu 1000 personnes qui sont venues sur mon site par ma campagne Facebook, admettons. Et puis, j'ai eu qu'une conversion. J'en ai 50% qui sont partis au niveau du panier d'achat. Et bien, ça, après, elle peut en tirer des enseignements pour optimiser. Donc, il faut vraiment rentrer, on rentre vraiment dans l'analyse de données.
D'accord. Alors, on a Laetitia aussi qui vient de nous poser une question. Alors, est-ce que ça rentre dans le... Je pense un peu dans le même état d'esprit. On vient de voir comment vendre ses produits, mais comment par la communication vendre son entreprise, son organisation, mettre en avant sa notoriété. Alors, mettre en avant sa notoriété, ça va passer par... par différents canaux. C'est, alors peut-être qu'on peut revenir sur ma présentation avec le parcours utilisateur et comment ça se passe aujourd'hui. Oui. Alors ça va arriver. Hop, c'est la slide d'après. C'est deux slides après. Voilà. En gros, il y a différentes phases. Alors là, c'est que quand on est dans cette phase d'acquisition. Quand la personne rentre en connexion, en contact pour la première fois avec la marque. Donc là, c'est la découverte, c'est tout ce qui va être autour de la notoriété. OK, elle a entendu parler de vous. Admettons, Carglass, c'est un bon exemple. Carglass, on connaît pas. On n'a pas forcément tous les jours besoin de se faire changer le pare-brise. Mais par contre, ils ont fait, ils ont très bien travaillé leur notoriété avec leur spot pub, leur spot radio qui revenait lancinant. Et donc, la première chose à laquelle je pense, la première entreprise à laquelle je pense quand je viens un bris de glace, c'est Carglass. Oui, je sais pas pour vous si c'est le cas. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, là, du coup, ils ont imagé, enfin l'image, clac, ça, l'image de pub vient là en fait. Bah oui, c'est tellement ancré. Alors ils ont bien travaillé, hein, et même c'est, on peut considérer que c'est casse-pied, on va dire, mais en tout cas, l'effet recherché est là. Perdu Elodie. L'effet recherché est là. Donc ça, c'est ma phase de découverte. Ensuite, si j'en ai besoin, je vais rentrer dans cette phase de considération. Et donc là, je vais peut-être regarder sur Internet. Ah bah tiens, non, il y en a peut-être un autre à côté de chez moi qui s'appelle pas Carglass, etc. Donc là, je vais faire des comparatifs. Je vais atterrir sur des pages de destination, des landing pages qui vont avec des formulaires. Où là, je vais pouvoir soit remplir, soit quitter. Mais bon, je suis déjà très intentionnée. Je commence à rentrer, à être intentionniste et je vais être réengagée avec différents messages publicitaires en fonction de où j'en suis dans mon parcours, en fait. Donc, si on voit sur la slide suivante, et après, j'arrêterai avec les explications. C'est en gros, voilà, on a des messages différents et des canaux différents. C'est-à-dire que quand je suis en phase de découverte, donc effectivement, j'ai toutes mes campagnes de bannières, de réseaux sociaux, de communication offline, donc c'est l'affichage, la radio, la télé, comme vous voulez. Après, ça dépend du budget qu'on a, hein, c'est toujours pareil. Et puis ensuite, je vais peut-être aller me renseigner, bah tiens, je sais pas, comment changer son pare-brise seul, admettons. Je n'ai pas envie de faire appel à eux, donc peut-être que Carglass pourrait créer un contenu, un article, une vidéo pour me montrer comment on change soi-même son pare-brise. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour le coup, mais pourquoi pas. Il y a plein de tutoriels comme ça sur comment faire du carrelage. Leroy Merlin le fait très bien. Hein, et eux, ça leur fait générer... donc c'est un nouveau point de contact. Et ça leur fait générer du trafic en magasin. Les gens vont acheter du matériel. Ah oui, alors c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à vérifier qu'il n'y ait pas d'animaux autour de toi. C'est les aléas du direct. Je suis désolée, je crois que c'est le voisin qui rentre. Ça va s'arrêter. Et donc voilà, en fonction de chaque étape où je suis dans mon parcours, je vais avoir des messages et des canaux que je vais pouvoir exploiter.
Après, si la personne est venue une première fois sur mon site, mais qu'elle a consulté une page produit et qu'elle s'en va, je peux très bien après la réadresser avec un autre message publicitaire pour la citer à faire une autre action. Ça s'appelle du retargeting. D'accord. Et donc là, on est passé dans l'étape de convertir. C'est là, en fait, où les personnes vont vraiment se décider à vraiment acheter, finalement, notre produit. C'est ça. Et une fois qu'ils ont acheté, eh bien, après, on passe dans une autre... donc, c'est même pas sur le slide, hein, là. Mais on passe dans une autre catégorie qui va être la fidélisation. Donc, que ce soit avec du service client ou après, comment je vais aller réengager. Je sais pas, je vais vendu... un frigo, peut-être qu'elle a besoin d'un micro-ondes. J'essaye d'être un peu plus pertinent, mais en tout cas, comment la data, ça c'est aussi le cœur aujourd'hui du marketing, c'est le data marketing, comment la data va m'aider à mieux connaître mes clients, mieux les réengager, savoir où ils en sont dans leur parcours et comment leur pousser le bon message au bon moment. Et un autre truc, je ne me souviens plus. C'est pas... Du coup, là, on était plutôt sur la partie, comment finalement mieux communiquer par rapport à son entreprise pour, effectivement, avec les données, regarder effectivement si on dépense, quel que soit le budget finalement, on se dit qu'on alloue cette somme-là à faire venir nos clients sur notre site internet et que finalement, le taux de transformation est assez faible. Il faut déjà, dans un premier temps, analyser des données pour voir, je dépense ça et j'ai que ça à l'arrivée, il y a un décalage. Donc, ça veut dire que finalement, peut-être, un, ma cible n'est peut-être pas bonne et en deux, peut-être que le message, quand on arrive à l'arrivée dans notre site internet, n'est pas le bon non plus. Ou en trois, si je synthétise ce que tu as dit, c'est qu'à la fin, il y a comme une découverte nouvelle pour l'utilisateur. Là, tu prenais l'exemple, par exemple, des frais de port. Oui, ça peut être un exemple, effectivement. Voilà. Okay. Bon. Donc là, c'était sur... Ça me fait un panier percé, en fait. Hein. J'investis de l'argent dans quelque chose qui dans un panier percé. Ça fuit. Donc, les gens arrivent, ils s'en vont. J'avais eu ça, j'avais eu une campagne sur un lancement produit avec pour un grand assureur. Alors, c'est pas moi qui avait travaillé sur la première campagne, mais ils avaient lancé une nouvelle application mobile, super. Et ils avaient eu un créneau pour avoir un spot télé. L'application, elle n'était pas stable, elle n'était pas finalisée, les fonctionnalités n'étaient pas encore top. Mais ils ont investi de l'argent dans un spot télé. Alors, super. Ça leur a fait venir, je sais pas, 400 000 personnes d'un coup en téléchargement qui, finalement, ont utilisé l'application une fois et sont partis. Donc, c'est autant d'argent investi pour rien. Alors, même si après, quand je fais mon tableau de bord, je fais super, j'ai eu 400 000 téléchargements. Après, sur la durée, eh ben, ça n'a pas d'impact parce que les gens ne réutilisent pas l'application. Donc, en synthèse, parce que finalement, le temps passe à une vitesse, sans qu'on le voit, je dirais que, tu me contrediras si jamais je dis pas de bêtises, c'est que finalement, la communication, c'est toujours une question de bon timing, d'une adéquation finalement, de bon timing et surtout d'être à l'écoute de ce qu'on cible finalement. C'est ça un peu notre driver. Oui, y a la planification, effectivement, être dans le bon timing, être dans l'air du temps. Si on ne planifie pas, peut-être qu'on passe à côté d'une opportunité de communication qui aurait pu être intéressante. C'est cette planification entre les contenus chauds et les contenus froids. Il faudrait que je rentre encore plus dans le détail. On va être un peu court. Et puis tu disais, c'était être à l'écoute de ta cible. Ça, c'est le cœur. Et c'est encore plus le cœur aujourd'hui avec le digital. C'est-à-dire qu'en fonction de la cible qu'on va vouloir aller toucher,
Moi, je le vois, j'ai un client B2B qui est super, mais qui parle de son vocabulaire. Et donc, et sa cible, je sais pas, elle cherche, c'est quelqu'un qui vend de l'affichage dynamique. Donc, c'est les écrans pour communiquer à l'extérieur, dans les points de vente, etc. Alors, c'est très bien. Si je suis un responsable informatique, si je suis un responsable marketing d'une entreprise, bah, je connais son vocabulaire technique. En tout cas, je suis censée le connaître. Mais si je suis la petite agence immobilière qui veut juste mettre un écran dans son agence, moi, donc je suis le responsable de l'agence, je vais dire, moi, je cherche une télé professionnelle ou télé pour mettre dans un magasin. Et donc, il faut s'adapter aussi à ce genre de message. Parce que si moi, je reste sur mon jargon, je ne serai jamais trouvée par ma cible. Oui. Bah, c'est un peu le parallèle qu'on fait, par exemple, quand on arrive dans une entreprise. Des fois, l'entreprise en interne, tout le monde a son petit jargon. Et quand on est le petit nouveau, personne ne nous comprend. Ou alors, quand on va se retrouver entre pairs, finalement, on va être du même secteur. Donc forcément, on va avoir des termes qui vont nous être familiers. Mais finalement, la personne qui va vouloir s'intéresser à un nouveau secteur par curiosité ou juste parce que chaque rencontre est aussi une opportunité d'apprendre, va pas nous comprendre finalement. Oui, bah, c'est d'où l'intérêt d'être à l'écoute, d'être ouvert. De toujours avoir en tête sa cible. Toujours. Et ça, c'est... Parce qu'on me pose beaucoup de questions aussi sur du référencement naturel, comment faire pour être... faire en sorte que Google nous aime bien et que je sois visible sur Google, etc. En gros, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que Google, il va aimer si on sait bien parler aux utilisateurs. Donc, et que quand je fais une recherche, et ben, la personne, elle trouve rapidement sa recherche. Et quand elle va sur le site en question qu'elle a choisi, eh bien, le contenu est pertinent et est en adéquation avec la recherche qu'elle a faite. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas ce qu'on aime. Enfin, il faut se mettre, même on est utilisateur tous les jours. Donc, on sait, quand on arrive sur un site qui n'est pas adapté pour les formats mobiles, par exemple, qu'on est obligé de zoomer en appuyant sur les gros doigts, ou on a un pop-up qui se met, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a juste envie de partir. Donc, on peut mettre en place toute une stratégie de communication. Si je fais une campagne Facebook Ads et que quand je clique et que mon site n'est pas adapté pour mobile, ben, le logo d'internet, il va s'en aller. Ouais. Donc, il y a toute cette cohérence à avoir en fait, entre nos différents canaux, ce qu'on appelle les assets. Donc, c'est ma page Facebook, ma communication, mon site internet, etc. Pensée globale. Pour pouvoir agir au plus proche de notre cible. C'est ça. Et avoir cette collecte de données, pas forcément pour traquer, mais en tout cas pour mieux comprendre et mieux adresser les clients, les prospects. Bien. Je pense qu'on a fait le tour de tous les éléments, en tout cas que nous, on voulait aborder avec vous ce soir. On n'a pas eu d'autres questions entre-temps qui sont arrivées dans le chat. Donc, je pense que vous aussi, de votre côté, on a éclusé toutes vos questions, enfin, tout du moins pour celles d'aujourd'hui, on va dire. En tout cas, bah, merci à toi, Anne-Emmanuelle, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écoutée. Merci à toi pour ce tour d'horizon qui concernait donc la communication. Et puis évidemment, bah, merci à vous d'avoir été présent en tout cas tout au long de cette masterclass. Et puis bah, voilà, on va continuer. Alors évidemment, il y a peut-être parmi vous des petits nouveaux, ceux qui bah, nous ont découvert parce que par curiosité, vous nous avez trouvé soit bah, comme l'a dit Anne-Emmanuelle, finalement via les réseaux sociaux aussi, ça c'est possible, ou par le bouche à oreille. Alors en tout cas, pour ceux qui nous ont découvert ce soir, n'hésitez pas, nous avons du coup un site internet, donc vous avez
la bannière qui va arriver. Voilà, merci Anto. Et puis, si vous voulez nous découvrir d'une autre façon, on a aussi un podcast qui s'appelle « Mais carrément ». Donc, l'épisode numéro 3 vous permettra de plus découvrir notre association. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Jean-Philippe Ackermann qui est dans l'épisode numéro 3 et que vous pouvez aussi retrouver. Donc, voilà, je vous laisserai découvrir Jean-Philippe. En tout cas, le clin d'œil, évidemment, est là. En tout cas, merci encore une fois, Anne-Emmanuel. Alors, demain, évidemment, on se retrouve à la même heure, à 18h. Rendez-vous est pris. Là, vous êtes habitués. Alors, le demain, on va changer de thématique. Demain, on est dans la thématique de l'international. Et donc, on va parler avec Christian Brodac, qui est ancien délégué interministériel au développement durable. Il a notamment piloté un groupe de travail en lien avec les objectifs de développement durable au niveau des Nations Unies. Et donc, le thème de demain est l'économie verte, un enjeu mondial, du global au local. Voilà, tout un autre pan, effectivement, à découvrir demain. Donc, pareil, même heure, même endroit. Je serai là aussi, évidemment, avec Christian. Et puis, entre-temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui... voilà, vous sont revenus. Vous pouvez retrouver Anne-Emmanuel donc sur son compte LinkedIn. Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi oser lui poser une question en message privé. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. Si vous êtes une entreprise, elle pourra aussi évidemment faire un plaisir de vous accompagner. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à échanger vraiment. La communication, on en a parlé en large pendant une heure. Donc voilà, en gros, n'hésitez pas et ayez bien votre cible en tête. Et là, vous devriez atteindre l'objectif, si on peut résumer ça ainsi. Très bien, merci. Merci à tous. Merci à Noël. Bonne soirée à tous et puis je vous dis à demain.